Monsieur l'Arbitre Jimmy, bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs d'Alger Champ 3. Alors nous allons aborder ensemble plusieurs questions d'actualité liées à la cessation d'activité des entreprises. Dans certaines sont en difficulté, cessation d'activité, liquidation, privatisation. Est-ce que les dispositions légales ont pris en considération tous ces cas de figure? Les experts judiciaires dont vous faites partie parlent d'un certain vide juridique comme par exemple la liquidation. Le code de procédure et le code de commerce parlent de liquidation, mais il y a plusieurs formes de liquidation. Il y a la liquidation administrative qui dépend de la volonté des propriétaires de sociétés ou des entreprises. Il y a la liquidation judiciaire à ce moment-là, quand une entreprise est en difficulté, elle est en cessation de paiement, et donc on ne peut plus continuer à activer. Automatiquement, on s'adresse à l'appareil judiciaire, et là, la justice va juger de l'opportunité de l'entreprise, si elle doit être liquidée ou redressée, où il y a la possibilité de la récupérer avant d'aller vers la liquidation. Bien entendu, à ce moment-là, la justice va décider de dissoudre l'entreprise et désigner un liquidateur judiciaire qui va se charger de la liquidation proprement dite. Mais la clôture de la liquidation, qui doit la décider et comment désigner aujourd'hui un expert judiciaire? Sur quels critères essentiellement? Eh bien, les experts judiciaires, il y a ceux qui sont agréés par le ministère de la Justice, qui sont donc portés sur le tableau du ministère de la Justice et qui peuvent être appelés dans toutes les régions du pays. Il y a ceux qui ne sont pas agréés, qui ne sont pas portés, mais qui peuvent être désignés s'il y a besoin par les magistrats localement ou dans la région. À ce moment-là, ils doivent prêter directement serment avant de commencer à travailler. Mais est-ce qu'on peut considérer que les experts judiciaires ont pour seule mission un peu d'évaluer les actifs et la situation de difficulté financière que rencontre l'entreprise, ils prennent en charge d'autres aspects liés à la liquidation, comme par exemple les droits des travailleurs? Non, les experts judiciaires n'ont pas pour mission d'évaluer les entreprises, mais beaucoup plus pour donner un avis technique pour le magistrat. Ils doivent éclairer sur la partie technique, parce que le magistrat, parfois, il ne peut pas se déplacer, se rendre sur le terrain pour éclairer certaines choses, pour examiner, pour étudier, pour pouvoir se prononcer. À ce moment-là, il fait appel à un technicien, un spécialiste, un professionnel indépendant et assermenté qui doit faire le travail pour lui et travailler sous sa responsabilité. Et les droits des travailleurs, comment ils peuvent être préservés avec la disparition, bien sûr, de l'entreprise en liquidation? Les droits des travailleurs sont régis par la loi 90, c'est la loi qui régit la relation de travail. Donc c'est un autre code qui régit les droits et les obligations des travailleurs et ceux des employeurs également. Il y a automatiquement indemnisation, réparation en cas de liquidation? Si l'entreprise est en faillite, il n'y a pas d'actif. À ce moment-là, c'est un grand problème qui est posé pour les travailleurs. Parce que le liquidateur, la première des choses à faire, il doit d'abord régler le problème des travailleurs. En priorité, ils ont le privilège d'être payés s'il y a des fonds, que si l'entreprise a des moyens, des actifs qui peuvent être transformés en liquidité, etc. Donc, on procède au paiement des travailleurs avant les impôts, bien entendu. Ensuite, c'est le trésor qui doit être aussi payé. Mais le texte, il n'y a pas de texte qui prévoit directement comment payer. Parce que quand une entreprise est en liquidation judiciaire, ça veut dire qu'elle est peut-être en faillite, ou tout simplement parce qu'il y a un problème, un contentieux qui n'est pas réglé en famille, etc. Et à ce moment-là, on demande carrément la liquidation pour que chacun ait sa part. Et donc l'expert met en œuvre la procédure de liquidation. Donc la première des choses, il faut que l'entreprise soit dissoute, ou la société. Ensuite, il faut qu'elle soit publiée. Ensuite, il faut informer les gens, les tiers et toutes les administrations. Ensuite, il y a les créances, il y a les dettes, il y a les actifs à liquider. C'est tout un processus, en quelque sorte, de gestion pour aboutir à la fin à la liquidation, qui veut dire tout vendre ou tout recouvrer et tout ce qui est faire un rapport définitif sur la clôture de la liquidation. Dans le cas de la liquidation judiciaire, on travaille sous la responsabilité d'un magistrat. Ça peut être un juge, ça peut être au niveau du tribunal ou bien au niveau de la cour. Donc on revient vers lui chaque mois ou chaque trimestre, ça dépend de l'opportunité de la situation de l'entreprise. Et à ce moment-là, s'il y a des difficultés, on vient vers lui. On doit tenir des réunions avec l'Assemblée générale des actionnaires, etc. Donc tout le monde doit être informé. Il y a des rapports périodiques qui sont établis et transmis. Et à la fin, quand tout est terminé, on fait ce qu'on appelle un rapport de
clôture. Et on doit tout fermer, radier le registre de commerce, supprimer carrément la personnalité morale. Et bien entendu, ce rapport est transmis au magistrat qui doit passer en audience et qui doit être clôturé d'une manière définitive par une décision judiciaire. Mais justement, quand vous parlez un peu de cette situation de liquidation, bien sûr, sous l'autorité ou ordonnée par un juge, qui doit prendre en charge le contentieux ou les créances de l'entreprise ? Comment ça doit être recouvré ? Est-ce qu'on peut considérer d'une perte sèche pour le trésor public ou le trésor récupère son argent par rapport au contentieux et aux créances de l'entreprise? D'abord, le liquidateur, quand il est désigné, il doit procéder au recouvrement de toutes les créances qui sont recouvrables. Pour celles qui ne sont pas recouvrables, il doit engager des procédures judiciaires à son tour aussi, parce qu'il est une mission de magistrat pour procéder à toutes les procédures et éventuellement procéder au recouvrement et payer aussi les dettes. Ensuite, s'il y a un reliquat, il doit le distribuer sur les associés. S'il y a un déficit de liquidation, à ce moment-là, il y a l'abandon des créances et des dettes. Alors, est-ce qu'on peut considérer que la liquidation est la seule alternative en cas de faillite? Seulement la faillite? Ou il y a d'autres aspects qui sont pris en compte pour une liquidation d'entreprise? Vous parlez de liquidation administrative ou bien la liquidation judiciaire? Les deux à la fois. Parce que la liquidation administrative, ce sont les propriétaires qui décident de dissoudre l'entreprise, de liquider, par exemple, s'ils sont ensemble, ils veulent se séparer, ou bien s'ils veulent changer d'activité. Enfin, plusieurs options peuvent se présenter pour décider de dissoudre une entreprise et procéder à sa liquidation. À ce moment-là, le liquidateur, il est désigné par l'Assemblée elle-même, par les propriétaires eux-mêmes. Il peut être parmi eux-mêmes, il peut être une personne externe, il peut être un magistrat, plutôt un expert externe, etc. Donc, ils ont le choix de désigner le liquidateur. Mais en général, les statuts prévoit la procédure à suivre en cas de liquidation anticipée à la date qui est prévue pour l'existence de la société. Mais en cas de faillite, il n'y a que la liquidation comme seule alternative judiciaire? Vous savez, quand on est en faillite, ça veut dire qu'on est en cessation de paiement. On ne peut plus activer, on ne peut plus bouger, on n'a plus de moyens pour payer quoi que ce soit, y compris le personnel. Et à ce moment-là, normalement, on doit faire un dépôt de bilan. Ça, ailleurs, ça existe comme ça. Il y a le dépôt du bilan. Ce sont les propriétaires, les actionnaires ou les dirigeants qui doivent déposer le bilan auprès du tribunal. Et là, il y aura automatiquement une liquidation. Or, en Algérie, pratiquement, on n'a jamais vu, pratiquement, moi personnellement, dans mon expérience, je n'ai jamais vu d'entreprise partir au tribunal et déposer son bilan pour faillite. Ça existe. Donc, c'est par la force des choses. Quand il y a un conflit et qu'on n'arrive plus à régler le problème entre nous, donc les actionnaires, les associés, c'est les propriétaires et les dirigeants, on est obligé vers la justice. Parce que dès qu'il y a un problème et qu'on ne peut pas le régler, on s'adresse à la justice. Mais quand il s'agit par exemple de liquidation d'une entreprise publique dont l'État est actionnaire à 100%, est-ce qu'on peut considérer qu'il peut y avoir d'autres alternatives, c'est-à-dire la privatisation éventuelle par l'État de cette entreprise qui est en situation de cessation de paiement, qui est en situation de faillite et qui n'arrive pas aujourd'hui à honorer par exemple ses engagements ni vis-à-vis de la productivité ni vis-à-vis de ses employés? Vous savez, le code de commerce, actuellement les lois et les règlements en Algérie ne font pas de différence entre les entreprises ou les sociétés publiques et privées. Toute entreprise est commerçante, donc elle est censée appliquer la réglementation au même titre que l'entreprise privée. Donc si l'entreprise pour laquelle vous posez la question, elle est à 100% publique, à capitaux publics. Donc l'entreprise, donc, elle est détenue par l'État, par les pouvoirs publics, donc qui sont le propriétaire. Ils sont libres de dissoudre, ils sont libres de prolonger ou bien amener de nouveaux capitaux, renforcer, renflouer l'entreprise avec un apport, avec une augmentation de capital, donc, ou racheter, mais n'est pas obligé d'aller vers la dissolution ni vers la faillite. Donc il y a plusieurs versions, plusieurs possibilités, il y a des options qu'on peut adopter pour sauvegarder l'économie et pour préserver les postes d'emploi. Une des options, c'est la privatisation éventuelle, la cessation de l'activité au profit d'un tiers. Vous savez, la privatisation, c'est tout. La cession. C'est la cession et la privatisation. Oui, qui dit privatisation, automatiquement, on va aboutir à la cession. Soit, ça dépend maintenant de quelle forme on va céder, soit par adjudication, soit par appel, soit par la bourse. Il y a plusieurs méthodes pour céder, pour voir une entreprise. Nous, en Algérie, lorsqu'on avait les problèmes, pratiquement en 1995, ensuite, on était donc sous pression de la Banque mondiale.
mondiale et du FMI. Par rapport à la politique d'ajustement structurel. Voilà, ils font vraiment pression sur l'Algérie. On était endettés, les entreprises étaient déficitaires, donc, et on était vraiment en difficulté. Donc on nous avait imposé en quelque sorte, le gouvernement s'est vu imposer une procédure de cessation, de privatisation. Il fallait donc vendre les entreprises privées pour s'orienter d'une économie socialiste planifiée vers une économie de marché. Et qui dit économie de marché, c'est la privatisation à outrance. Donc, c'est ce qui se passe ailleurs. Et donc, là, le gouvernement a mis pratiquement en vente, je crois, un millier d'entreprises publiques pratiquement, nationales, régionales, entreprises de wilaya, etc., qui ont été effectivement cédées. Alors, bon, elles ont fait l'objet sur la base de dispositions. Il y avait quand même des dispositions légales dans la loi de finances. Ensuite, il y a eu la loi sur la privatisation. Ensuite, il y a eu le Conseil national de la privatisation. Ensuite, il y a eu l'holding qui est pratiquement qui gérait le portefeuille des entreprises publiques. Et donc, tout ce processus a été mis en œuvre pour privatiser les entreprises. Il y avait beaucoup d'entreprises qui ont été privatisées, d'autres partiellement, d'autres totalement, d'autres non privatisées qui restent encore, mais beaucoup d'entreprises ont été donc cédées à des opérateurs privés. Mais est-ce que c'est cette contrainte d'aller vers la cession de certaines entreprises sous la pression du FMI, c'était durant les années 90, puisqu'on était en difficulté financière, est-ce que c'est cette contrainte qui a fait aujourd'hui que cette cession s'est faite au dinar symbolique, puisque certains la remettent en cause aujourd'hui? Monsieur Jimmy. Oui, à partir du moment où le FMI, la Banque mondiale et tout ce qui est club de Londres, club de Paris, là où on avait des dettes un peu partout, tout le monde nous imposait de faire un ajustement structurel, donc revoir un petit peu, réformer un peu le tissu industriel de l'économie algérienne. Donc, que s'était-il passé? Donc, les pouvoirs publics étaient dans quelque sorte dans l'obligation. Donc, ils ont chargé un bureau d'études, plusieurs bureaux d'études, pour faire les évaluations des entreprises et les vendre. Et puis, il y avait une liste qui était mise en vente un certain temps. Et pour certaines entreprises, il y a eu des acheteurs sur la base des montants qui ont été évalués, les actifs qui ont été évalués. D'autres entreprises n'ont pas été du tout achetées automatiquement. Par la suite, les pouvoirs publics, je pense qu'ils les ont vendus au dinar symbolique en quelque sorte. Ils ont et en particulier, les entreprises de wilaya et des régions qui n'ont pas été cédées, elles ont été pratiquement cédées aux travailleurs qui deviennent propriétaires. Et c'est là où il y a eu beaucoup de problèmes. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il aurait fallu évaluer les actifs de ces entreprises avant de les céder au dinar symbolique? Mais elles ont fait l'objet, normalement, toutes les entreprises ont fait l'objet d'évaluation, parce que quand on fait cession, on met toujours le montant de base sur lequel on doit partir pour vendre éventuellement, donc le minimum qui est prévu. Mais c'est que les entreprises qui ont été cédées aux travailleurs, par la suite, pratiquement par une forme déguisée, ont été pratiquement rétrocédées à des investisseurs, à des opérateurs. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans la gestion et beaucoup d'entreprises vendues aux travailleurs ont changé carrément de main et que d'autres se trouvent actuellement totalement à l'arrêt. Rétrocession est légale ou illégale comme procédure? Non, c'est puisque l'accord initial était entre l'État et les nouveaux propriétaires. Oui, ça dépend du cahier de charge parce que le cahier de charge, par exemple avec les domaines, en général, ce sont les domaines. Donc, c'est les entreprises appartiennent aux domaines. Et donc, elles ont été cédées aux travailleurs avec un cahier de charge, avec un échéancier, parce que les travailleurs ne peuvent pas payer l'entreprise, ni le patrimoine de l'entreprise, mais sur un cahier de charge, on prévoit la cession sur 5 ans, 10 ans ou 15 ans. Ça dépend. Or, ces entreprises qui ont été carrément par une forme déguisée, quand vous imaginez un travailleur qui est actionnaire d'une SPA, parce que la plupart c'est des SPA. SPA qui a pratiquement son capital est de 100 000 dinars ou 200 000 dinars, la part dans le capital global. Et quelqu'un investisseur vient lui proposer 2 millions, 3 millions de dinars pour vendre ses 5 ou 6 actions, et bien c'est ce qui s'est passé, ils ont tous presque vendu. Et ces entreprises se sont trouvées entre les mains des opérateurs privés, des industriels, etc. etc. Monsieur Larbi Rejimi, moi je voudrais revenir sur les aspects qu'on a abordés dans la première partie de l'invité. On parlait de cessation d'activité, privatisation et liquidation. Dans le cas, par exemple, de privatisation, vous avez parlé un peu de ce qui s'est produit durant les années 90. Est-ce qu'on peut considérer que vous avez dit que les actions sont cessibles, donc pas incessibles, donc on peut revendre à une tierce personne à partir du moment où on devient propriétaire? C'est légal?
Oui, tout à fait. Si vous permettez que j'apporte un petit détail, je suis effectivement expert judiciaire et je suis le vice-président de l'Union nationale des experts judiciaires qui regroupe à peu près 7 000 experts judiciaires à travers le territoire national, toutes spécialités confondues. Et nous avons pratiquement des antennes presque au niveau de toutes les cours de justice d'Algérie. Alors les actions sont cessibles, donc pas incessibles, on peut les vendre à partir du moment où on devient propriétaire. Oui, le code commerce, bien sûr, c'est lui qui prévoit tout ça. Donc tout est prévu dans le statut, dans l'acte de cession du bien par les pouvoirs publics aux travailleurs. Automatiquement, les actionnaires ont des actions, donc possèdent, chaque travailleur possède une part dans le capital de la société, donc qui correspond au transfert de propriété de l'entreprise publique vers les travailleurs. Et ces actions sont, bien entendu, cessibles et transférables. Mais ils doivent quand même, il y a des procédures à respecter. Il faut que ça passe par l'Assemblée générale, ça passe par le conseil d'administration qui autorise, etc. Parce que sinon, mais en général, dans la pratique, la plupart des travailleurs ont pratiquement cédé leurs actions. La plupart. Mais aujourd'hui, sur la question des privatisations qu'il y a eu durant les années 90, où il y a remise en cause la privatisation de pas moins d'un millier d'entreprises durant les années 90, à partir du moment où il y a eu cession, peut-il y avoir remise en cause de la privatisation? Est-ce que l'État peut récupérer ces entreprises? Vous savez que tout acte de transfert de l'État vers les particuliers ou vers les entreprises privées ou vers les travailleurs, il contient quand même des conditions de transfert de propriété, etc. Donc il y a un acte de vente, ou bien ce qu'on appelle un cahier de charge, qui prévoit un certain nombre de dispositions qu'il faut respecter pour pouvoir rentrer en possession de ce qui est bien qui est transféré. Donc que s'est-il passé? Dans la pratique, vous avez par exemple le cahier de charge. Moi, j'ai beaucoup de dossiers à examiner dans le cadre des expertises judiciaires parce que beaucoup de travailleurs entrent ensuite avec les nouveaux employeurs en justice parce qu'ils sont à licencier, etc., etc. Et donc, dans tout, pratiquement, les cahiers de charge, il y a trois ou quatre points essentiels. Donc, la première des choses, c'est le maintien des travailleurs. Deuxième point, c'est le maintien de l'activité de l'entreprise qui est cédée. Troisième point, l'investissement, l'amélioration et un business plan pour l'avenir de la société, parce que si l'État cède, c'est pour qu'il y ait amélioration, pour qu'il y ait conservation des travailleurs, pour qu'il y ait l'activité qui continue, etc. Donc il y a des conditionnalités qui doivent être respectées. Or, dans la pratique, si beaucoup d'entreprises ne respectent pas, ne payent pas du tout, ils prennent l'entreprise avec un patrimoine, avec un terrain, avec des immeubles, etc., avec un matériel. Mais dans la pratique, ils ne remboursent rien du tout pendant 3, 4, 5, 6 ans. Je connais beaucoup d'entreprises qui sont actuellement gelées carrément d'activité et qui ne payent pas au domaine et il n'y a pas de mesures prises. Donc, si ces cahiers de charges ne sont pas respectés, si les dispositions qui sont prévues pour ce transfert ne sont pas respectées, je pense que chacun a une responsabilité dans ce domaine-là. Mais à partir du moment où il n'y a pas eu respect de Kaïcha, si je m'en tiens à vos propos, donc l'État peut récupérer. C'est une sorte de nationalisation à nouveau, Je ne peux pas me ou prononcer, renationalisation. je ne peux pas me prononcer à la place des pouvoirs publics. Non, Moi, je veux dire sur le plan technique, voilà, on part sur le plan technique, sur hein, le plan monsieur le Dîme. technique, lorsqu'il n'y a pas de respect des clauses ou des dispositions prévues dans le cahier de charge, on peut remettre en cause ce cahier de charge. Mais pour le reste, ça ne relève pas de mes prérogatives. Là, c'est dans le cas où il n'y a pas, par exemple, respect du cahier de charge, l'État pourrait éventuellement procéder à une renationalisation de ces entreprises. Mais dans le cas, par exemple, où la procédure déjà initiale n'a pas respecté la règle, la loi, c'est-à-dire dans tout le processus. Certains disent que cette période-là, on a dévalué la valeur du dinar à sa simple expression, justement pour permettre une privatisation au dinar symbolique. Est-ce qu'on peut remettre en cause aussi cet aspect-là? Avant de répondre sur le dinar, je préfère encore préciser concernant donc le cahier de charge. Si le cahier de charge prévoit, en cas de non-respect, le propriétaire qui a cédé peut reprendre, enfin si le cahier de charge est bien rédigé, il prévoit des dispositions dans ce sens pour revoir un petit peu les choses. Là, il n'y a pas de problème. Sinon, ce sera une volonté politique, tout simplement. Pour renationaliser, c'est une volonté politique. Concernant maintenant le dinar, effectivement, durant les années 90, hein, oui, durant cette 90, par rapport à la il y procédure. a eu une dévaluation administrative et non économique décidée par l'État, tout d'un coup, pratiquement presque 100% de dévaluation du dinar à l'époque, je me rappelle. Pardon. Et donc, les entreprises,
avaient des créances et des dettes. En particulier, les entreprises qui avaient importé, qui avaient des dettes extérieures vis-à-vis des fournisseurs qui ont fourni des équipements éventuellement, des usines clés en main, etc., etc. Et donc, toutes les entreprises qui avaient des dettes vis-à-vis de l'extérieur se sont trouvées dans un déséquilibre total. Puisque la dette qui était de 1 milliard est devenue 10 milliards. Et là, pratiquement les entreprises, en particulier les entreprises publiques, s'étaient trouvées dans une situation très, très difficile. Il fallait donc que les pouvoirs publics, il y a eu beaucoup de réunions, beaucoup de travaux avec, à l'époque, je me rappelle, c'était M. le ministre, M. Hamiani. Il y avait beaucoup de réunions pour trouver une solution, pour subventionner éventuellement les entreprises. Mais ça a été très, très difficile pour revenir à la normale. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette dévaluation du dinar administrative, c'était imposée par le FMI parce qu'on était, bien sûr, sous le coup de la politique d'ajustement structurel ? Je ne connais pas la source exactement. C'est une décision, en tout cas, qui a été prise par l'État algérien. Quant maintenant à la source, qui a poussé à prendre cette décision, je ne peux pas vous dire franchement. Mais est-ce qu'on peut considérer que depuis, nous subissons les conséquences de cette dévaluation de la valeur du dinar administrative ? Le dinar continue tout le temps à dégringoler. Même à ce jour, vous savez que l'inflation maintenant est en train de monter. Donc le dinar, chaque fois quand il y a le dinar, surtout que nous importons pratiquement tout. Donc toutes les entreprises qui importent, on voit d'ailleurs, moi j'ai fait une commande il y a 3-4 jours pour un micro-ordinateur. Pour 100 000 dinars, aujourd'hui, on me demande 10% d'augmentation. Simplement parce que le dinar a été dévalué par rapport à l'euro. Alors, M. Larbi Rejimi, moi, je voudrais revenir avec vous par rapport à la situation des entreprises. On parle de liquidation, on parle bien sûr des cessations d'activité et de privatisation. Ce que nous relevons aujourd'hui, c'est que l'État a versé beaucoup d'argent pour un peu venir en aide à chaque fois à certaines entreprises qui sont régulièrement en difficulté financière. Est-ce qu'on peut considérer, en fait, certains considèrent qu'elles sont maintenues sous perfusion. Est-ce que c'est une solution économique ou pas du tout? Moi, en tant que professionnel, je trouve que ce n'est pas une solution. Parce qu'on connaît la Sonacom, on connaît Ether, on connaît le Nasuc, beaucoup d'entreprises. On essaie de les reprendre à chaque fois par ce qu'on appelle une mise à niveau. Une mise à niveau, ça veut dire qu'on demande à l'entreprise de faire un dossier, un business plan nouveau et ça, sur cette base-là, on lui débloque une somme parce que les travailleurs ne sont pas payés, les dettes ne sont pas payées, etc. etc. Mais franchement, sur le plan économique, ce n'est pas une solution. Il faut trouver carrément, il faut aller vers le fond. Pourquoi cette entreprise est tout le temps déficitaire? On ne peut pas continuer éternellement à déverser des sommes colossales sur le trésor du public à ces entreprises, finalement, qui reviennent dans 2-3 ans pour demander la même chose. Est-ce qu'on peut considérer qu'on doit rompre aujourd'hui avec ces pratiques socialisantes des années 90 totalement, et aller vers totalement. Une véritable économie de marché? Totalement, madame. Alors, les administrateurs judiciaires désignés en cas où les patrons d'entreprise sont en prison, comme c'est le cas actuellement pour certaines entreprises, est-ce qu'on peut considérer que les administrateurs judiciaires ont toute la latitude pour pouvoir gérer l'entreprise au même titre que son patron? Ou alors ils sont limités un peu dans leurs activités? Vous savez, parce que certains disent qu'ils les ont désignés juste pour payer les salaires. Non, effectivement, les professionnels de la comptabilité viennent de se voir confier donc une nouvelle forme, une nouvelle mission de sauvegarde de l'économie nationale. Certains administrateurs ont été changés. Il y a lieu effectivement de sauvegarder les entreprises économiques, qui sont c'est des groupes, c'est des sociétés importantes, etc., qui se sont trouvées à l'arrêt. Donc on a fait appel aux professionnels, aux experts comptables, commissaires aux comptes, pour prendre en charge la gestion de ces entreprises. Donc ce sont des administrateurs qui sont désignés par la justice, ils ont une mission précise sur l'ordre de désignation, ils accomplissent donc leur mission conformément à ce qui a été prévu dans la désignation, ils sont placés sous la responsabilité du magistrat donc qui les a désignés et rendent compte à ce magistrat. Mais ils activent, ces entreprises continuent à activer normalement et pour le moment je n'ai pas été informé de quoi que ce soit, donc je pense que les entreprises continuent à activer normalement. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'ils ont la latitude de pouvoir passer par exemple commande, faire des contrats avec des entreprises ou se limiter seulement au versement des salaires pour maintenir l'entreprise en vie en attendant bien sûr que le patron de cette entreprise soit jugé ou libéré ou autre chose? Écoutez, moi je n'ai pas eu à... Ou alors que la famille puisse reprendre les actifs. Je n'ai pas eu connaissance directe de l'ordre de désignation par le magistrat parce que c'est individuel.
Mais normalement, il gère correctement l'ensemble des opérations Il de fait tout. l'entreprise. Il fait pratiquement comme le dirigeant, hein. C'est un administrateur, donc il administre. Ça veut dire administrer, c'est gérer. Donc c'est gérer. Alors, par rapport à ce qu'on a vécu par le passé, avec bien sûr l'affaire Khalifa, certains considèrent que la liquidation d'entreprise n'est pas une solution. Il faut trouver, c'est-à-dire, d'autres alternatives. Quelles pourraient être éventuellement les autres alternatives, monsieur Redjimi? Bon, tout à l'heure, j'ai dit qu'avant d'aller vers la dissolution ou vers la liquidation, il faut toujours chercher d'autres solutions pour redresser. Ailleurs, par exemple, les tribunaux de commerce prennent en charge les entreprises et ils procèdent à des redressements pendant quelques années pour pouvoir les récupérer avant d'aller vers la dissolution. Nous, on n'a pas cette organisation. Donc, moi, je pense qu'avant d'aller vers la liquidation ou vers la dissolution, il y a lieu toujours de chercher d'autres moyens pour maintenir en vie l'entreprise avant de décider le pire. Alors, monsieur Larbi Erjimi, question d'auditeur. Dans plusieurs entreprises créées par les hommes d'affaires, emprisonnées et incarcérées actuellement, il y a quelques-unes qui sont très rentables et ont des contrats avec pour plusieurs années et même à l'export. Pourquoi doit-elle subir cette entreprise un blocage par l'État, même si leurs propriétaires ont fauté? On doit exploiter leur rentabilité. Écoutez, moi je ne savais pas que l'État bloque le fonctionnement des entreprises. Maintenant, si vous dites que l'entreprise, C'est l'État, l'auditeur qui dit, hein. oui, si cet auditeur dit que l'État bloque, je ne sais pas. À ma connaissance, le rôle de l'État, ce n'est pas de bloquer, mais c'est de réguler l'économie nationale. Alors, C'est un régulateur. autre question. Par exemple, ils vous disent aujourd'hui, l'administrateur judiciaire, est-ce que, par exemple, il doit faire une audite précise au juge par rapport à la situation de l'entreprise, son endettement, son effectif et bien sûr, son niveau de rentabilité? Ça, c'est la partie à un juge de demander de préciser la mission et ce n'est pas à moi-même. Donc, c'est le magistrat qui, mais en général, l'administrateur, ce n'est pas à lui de faire l'audit. L'entreprise, déjà, qui est sous la responsabilité de l'administrateur, a déjà un ou deux commissaires aux comptes qui font leur travail dans un cadre de mandat légal et qui suivent l'économie de l'entreprise. Ils établissent un rapport de fin d'année donc, dans lequel ils donnent son opinion, etc. Donc, l'administrateur n'est pas l'auditeur de l'entreprise. Alors, est-ce qu'il y a des entreprises actuellement en liquidation et qui peuvent, par exemple, être sauvées de toute façon par les pouvoirs publics? Est-ce que l'expert judiciaire, c'est-à-dire désigné, pour opérer cette liquidation, doit prendre en considération tous les aspects, entre autres la viabilité de l'entreprise? Pardon. Oui, ça dépend de la mission que demande le magistrat. L'expert peut, bien entendu, si on lui demande de donner un avis technique et faire des propositions, il peut le faire, bien entendu. C'est la raison pour laquelle il a été désigné. Ah, personnellement, ça m'était arrivé d'être désigné pour expertiser une entreprise. Et quand je constate que cette entreprise peut être récupérée, je reviens vers le magistrat et je propose la médiation. Et ça peut réussir, la médiation entre les parties, et on peut maintenir l'entreprise, et le magistrat peut revenir désigner un médiateur et éventuellement abandonner l'action de liquidation, etc. Donc, si possible. La médiation Donc, judiciaire est une alternative? ah ben oui, moi-même je suis médiateur et même médiateur formateur en médiation judiciaire. Donc la médiation, c'est un mode alternatif de règlement des conflits, simple, moins coûteux, rapide, et puis ça réunit, ça regroupe les gens. Parce que la justice, c'est une décision judiciaire forcée, on doit l'accepter, bonne ou mauvaise. Par contre, la médiation, les parties s'entendent entre eux, se concilient et on garde la relation initiale. Mais est-ce qu'on peut considérer que par rapport au contexte actuel, il va falloir un peu éviter les erreurs qu'on a commises par le passé en pensant qu'une liquidation, une privatisation, même sauvage soit-elle, puisque certains la considèrent comme telle aujourd'hui, et c'est la question de l'auditeur, il faudrait éviter par exemple de reproduire le même schéma que celui qu'on a connu durant les années 90, ne pas recommettre les mêmes erreurs? Certainement, on n'a pas le droit de commettre les mêmes erreurs et chaque période a est ses différente. difficultés, elle est différente, chaque gouvernement a des options différentes, a une vision différente. Donc c'est normal, il a le droit de dire ça. Nous n'avons pas le droit de continuer à commettre des erreurs comme par le passé. On doit prendre les passés comme exemple, comme expérience pour redresser, pour améliorer, pour aller vers l'avant. Alors, quelles sont les prérogatives d'un administrateur judiciaire aujourd'hui? C'est la question de l'auditeur. Ben, je ne peux pas parler de ça. La mission, elle est définie par le magistrat et ça dépend du magistrat. Donc, elle peut différer d'un magistrat à l'autre, d'une société à une autre. Alors, est-ce que, par exemple, un administrateur judiciaire a le droit de revenir en arrière sur les activités de l'entreprise, c'est-à-dire revenir sur le passif de l'entreprise? Est-ce que c'est son rôle de le faire Ça, pour bien sûr présenter un bilan au juge?
Ça veut dire quoi, revenir sur le passé ? C'est-à-dire ne pas gérer le moment présent, mais revenir bien en arrière, c'est-à-dire il y a 10 ans, voilà ce qu'il a fait comme... Non, il n'est pas venu pour contrôler, pour faire des dossiers sur l'ancienne gestion. Non, il a une mission de continuité de l'activité. Alors, Monsieur Larbir Jimmy, dernière question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par rapport à ces entreprises liquidées, quand il y a par exemple une entreprise qui est viable, est-ce qu'elle peut encore aujourd'hui, on peut aller vers peut-être un consensus entre les travailleurs pour pouvoir la récupérer, ou cette expérience mauvaise qu'on a connue durant les années 90 fait en sorte, est-ce qu'on soit aujourd'hui prudent sur cette option de céder, voilà, cession aux travailleurs? Ou alors il va falloir l'encadrer par un bon cahier de charge. C'est exact. Tout dépend de ce qu'on veut de cette entreprise quand on veut la céder. Est-ce qu'on veut... L'essentiel, c'est de dégager l'entreprise vers les travailleurs. Ensuite, on les laisse tout seul à trouver d'autres solutions. Ou bien, si on veut s'assurer que tout doit réussir par la suite, à ce moment-là, on doit tout prévoir dans un cahier de charge, dans un acte de cession de transfert qui doit préciser tout pour qu'à l'avenir, les choses doivent aller mieux. Alors, vous êtes expert judiciaire, vous êtes aussi vice-président de cette association. Comment entrer à Union. Par l'Union, oui. Comment entrer en contact avec des experts judiciaires aujourd'hui? Ou alors, on n'a pas contact directement dans le cas où une entreprise est en difficulté. On ne peut pas rentrer en contact direct avec vous parce que vous êtes désigné par la justice. Ou on peut vous solliciter toutefois parce qu'il y a un auditeur qui voudrait entrer en contact avec vous. Il m'a laissé même son numéro de téléphone que je vais vous communiquer à la fin de cette émission. Est-ce qu'on peut vous contacter ou pas du tout? Bon, écoutez, ou alors, vous êtes désigné automatiquement seulement par la justice. Bon, l'expert, quand est-ce qu'il est désigné? Il peut être désigné par la justice. Moi, je parle d'expert judiciaire, hein, parce que en dehors de ce qui est de justice, tout le monde peut faire appel à un expert. Et ça dépend de la spécialité. Mais l'expert judiciaire, c'est quelqu'un qui est désigné, comme son nom l'indique, expert judiciaire. Ce n'est pas une fonction, mais c'est une mission. L'expert, il est désigné pour telle ou telle mission avec des prérogatives bien définies parce qu'il y a un transfert des prérogatives du magistrat à l'expert qui va travailler pour le compte de ce magistrat. Maintenant, comment le toucher et le contacter? S'il est dans le civil, c'est lui qui va contacter le justiciable. S'il est dans le pénal, c'est autre chose. Alors aujourd'hui, on a certaines entreprises qui sont en difficulté. Vous avez l'ENIEM, vous avez l'INI. Oui. On l'a vu ça depuis quelques jours sur la presse. On en a parlé également sur nos ondes à Alger Chaîne 3. Il y a aussi Condor. Est-ce qu'on peut désigner aussi des experts judiciaires pour évaluer la situation de ces entreprises? Hormis les difficultés financières, c'est-à-dire d'aller vers une banque et avoir de l'argent. Bon, la justice peut se saisir, bon, c'est normal, peut se saisir de ce qui est prévu par la loi et par la réglementation algérienne en matière de justice. Maintenant, si les propriétaires de cette entreprise veulent saisir la justice et demander à l'expert, ils peuvent le faire tout de suite, bien entendu. Et la justice est obligée de répondre, hein, elle a le droit de répondre. C'est prérogatif. Monsieur Larbir Jimmy, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Je vous remercie à vous. Et est-ce que je peux adresser à travers vous un grand bonjour à tous les professionnels de la comptabilité, de la Chambre nationale des commissaires de comptes et de l'Union nationale des experts judiciaires? Je vous remercie. Et bien voilà, c'est fait.